Gérard Depardieu, il joue dans l'Odyssée de Pi. L'Odyssée de Pi, en matière de cinéma animal ou de cinéma végétarien, c'est l'alpha et l'oméga. Il y a tout dedans. Et donc, il y a Gérard Depardieu. Il joue un cuisinier français sur le bateau. L'Odyssée de Pi, ce sont des Indiens qui ont un zoo, mais c'est un zoo vraiment idéal. C'est le jardin d'Éden. C'est-à-dire qu'ils respectent tous les animaux. On voit qu'ils ont de la place. Les animaux vivent entre eux. Il n'y a pas de barrière. On apprend que le héros de l'Odyssée de Pi, donc, s'appelle Piscine, parce qu'en, en hommage à une piscine. C'est beaucoup mieux expliqué dans le film. A été mis au monde par un herpétologiste, donc il y a déjà un truc un peu antispéciste ici, de l'animal, enfin, vous avez compris. Donc ils doivent quitter le zoo pour aller au Canada. Le Canada, c'est une des terres du végétarisme. Vancouver et Montréal sont des capitales du militantisme en ce moment. Donc c'est assez intéressant qu'ils fassent le voyage de l'Inde au Canada. Et donc ils doivent prendre le bateau, emmener les animaux au Canada. Et le cuisinier du bateau est Gérard Depardieu. Et il y a une scène où il se frite avec les hindous, quoi. Puisqu'il refuse de les servir comme il faut. Donc Gérard Depardieu, qui jouait le poulet dans Chicken Run alors qu'il a des élevages de poulet, qui est confronté à Isabelle Huppert dans Valley of Love, et qui est un peu décontenancé par son espèce de coming out, et qui joue le salaud dans l'Odyssée de Pi, doit effectivement se poser quelques questions.